qu'est-ce qu'il va falloir faire? Dis-je que tu es là. Quelle est la situation, Général? Les impériaux nous attendaient, Starkiller. Si nous ne déployons pas nos Y-Wings, ce combat est perdu d'avance. Starkiller, le pont est encombré. Nos chasseurs ne peuvent pas décoller. Je vais m'en occuper, Général. Oh putain, ouais, voilà, ça y est, on a enfin des sites en ennemi. Je verrouille la baie en gare. Détruis les vaisseaux qui nous abordent. Voilà, ça va permettre de les tuer déjà. Il est parti, putain, c'était quoi cette voix d'ado là pour le clone? Merdier, c'est fait. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Oh là là. Ah bah là, en fait, le pont, non seulement il est encombré, mais là, en fait, c'est carrément, ils peuvent même plus enlever le truc. Hop, espace. Hop. Eh ben voilà. Oh, il y en a encore qui arrivent. Et y'a quoi cette fois? Oh d'accord, cette fois il y en a deux. Non, par contre, je suis en dessous, ce serait bien qu'on puisse le direct. Le pont est encombré, nos chasseurs ne peuvent pas décoller. Ils nous battent, à votre arme. Oh là 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 là. N'arrêtez pas tant qu'il n'est pas abattu. Ouais, ok. Ah, excusez-moi. Hein. Parce que là, maintenant, à ma petite habitude, je tourne en tout cas assez tard. Oh, merde! D'accord, les gars. Allez, crève! Allez! On défonce tout. Croix, clic gauche, pardon. Ok. Ouais. Le mec, il arrive à faire déglinguer. Enfin, non, quoi que c'est un clone. Allez. On va utiliser l'excuse du clone pour le fait qu'il puisse pas atteindre avec la force cette distance. Vu qu'en plus, Général Kota dit qu'apparemment, il est impossible de cloner un clone, de cloner un Jedi. Bon travail. Le hangar est dégagé. Ouais, je désactive le verrouillage. Maintenant, dirige-toi vers la passerelle. Ok. Ok, on y va. Hop là. Impériaux repérés dans la salle du réacteur. Tu dois les éliminer avant qu'ils n'aient neutralisé le vaisseau. C'est quoi ça?
Vous atteindrez la salle du réacteur en passant par le noyau de transmission. Cherchez une écoutille de maintenance dans votre secteur. Attendez, attendez. Voilà. Et bam! Très bien. Hop. Hop là. Ok. Vous avez trouvé une cuve de bactavère, votre santé maximale a augmenté. Super! Et maintenant... Et c'est quoi cette merde? Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour dégager ça? Ah d'accord. Cool. Encore? Il en veut encore, il en veut encore. Allez, on refait. Trop bien. Ah c'est génial. Ensuite. Voilà. Et là, on est face à un nouveau problème. Ouais. Un nouveau problème qui n'est pas moindre. Comment on fait, là? Ah, ok. Très bien. On change les codes. On change les codes du jeu. Dans le même niveau, c'est génial. On y va. Je suis où là? Je verrouille la salle du réacteur pendant que tu fais le ménage. Quelque chose me dit que je suis retourné là où j'étais. Je verrouille la salle du réacteur. Ok, pendant que tu fais le ménage. Ok. D'accord, le mec. Hop là. Super. C'était le dernier. Il faut y aller maintenant. Bah, c'est ce qu'on va faire, Ram. Tu dis qu'il faut y aller, on va y aller. De savoir. Par contre, comment on fait? Ça, c'est un truc qui va vite m'énerver. Comment on fait pour retrouver? Oh putain, yes. Non, reviens là, toi. Voilà.
Un sabre vert, un sabre bleu. Alors, j'essaie de retrouver la commande, hein, excusez-moi. Parce que je sais plus comment on fait pour améliorer les... Enfin, peut-être... Attendez, peut-être que c'est marqué. Je le fais, excusez-moi, c'est important, c'est pour ça. Peut-être jeu, non ? Non, non, c'est pas ça. Écran. Détails graphiques, audio, connexion, code de triche. Souris. Configuration des touches. On va voir la touche. Ah, menu pouvoir de force, c'est entrée. Ah ouais. Très bien. L'appréhension, le lancer de sabre. Alors je sens que ça va être bien différent maintenant. Ah ouais, déjà qu'ils étaient simples à buter avec le premier truc, alors là... Bien. Ah oui, voilà, déjà je peux en prendre deux au lieu d'un. Quand je fais la traction de force. Hop. On est parti. Voilà. Hop. Après ils ont... Capsule d'abordage ennemi détectée dans tout le secteur. Moi j'en vois qu'une. Ah oui. Alors ça faisait un petit moment qu'on les avait plus vus. Espace, on envoie. Et on fonce comme des gros bourrins. C'est là qu'on se dit que ce serait pas mal. Voilà, moi j'ai pas envie de faire les QTE. Hop. Enfin avant on en était obligé, maintenant on l'est plus, donc écoutez, je vais pas casser le jeu. Allez. Super. Alors le lancer de sabre, déjà que c'est cheaté de base. Alors en amélioration, je vous raconte pas. Oh là 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 là. Finalement, j'aurais dû le mettre en normal le jeu, parce qu'il est quand même plus... Salut à toi. Ouais. D'accord. Tu vas tirer sur tes ailes. J'ai l'impression que je reviens en arrière. Bon, en fait, c'est pas une impression, je reviens en arrière. Et ce n'était pas le but, justement. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ah non, c'est pas le but. Ah, elles sont cheloues, ces mines.
où est-ce qu'il faut aller maintenant? Parce qu'on se perd dans ce truc quand même. Alors, apparemment, faut pas aller là. Faut pas aller ici non plus. Ah mais ouais, c'est là d'où je viens, ça, non? Là-bas, il y a quelqu'un qui est mort. Mais du coup, il doit rester un ennemi au fond. J'espère qu'il va pas me faire chier pendant que je me tue de son cavalier. Ensuite, où faut-il aller? Faut aller là-bas. Hop là. Que j'ai fait là. Non, faites pas les cons. Ok. À toutes les stations, que les soldats se mettent en position. L'Empire va nous aborder. Ah, c'est pas déjà le cas? Parce que. J'ai un mauvais pressentiment. Ouais, voilà aussi. Aussi pessimiste que Proxy. Les canons sont opérationnels. Et nous sommes toujours en vie. Je ne suis pas pessimiste, mais. Tiens, les à l'écart du canon imminent. Ah d'accord, on est obligé de... Moi je me disais, ah, il faut tirer comme des tarés. Non en fait pas du tout, c'est pas du tout ça qu'il fallait faire, c'était ça. Alors... Hop. C'est excellent ce pouvoir quand même. Et on envoie. Hop. Hop là. Voilà, on va dire qu'il est mort. C'est une bonne chose de fait. Mais je vois pas ce qu'il faut faire encore une fois. Hein? D'accord. Ah, et le but, c'est de les péter. D'accord, mais qu'est-ce qu'il faut faire, encore une fois? Que Maître Gramkota, il est très utile, on va pas se le mentir.
très précis. Là, on a carrément un trou, on sait même pas si ça a quelque chose. Sûrement, on a oublié de me dire quelque chose. Ah non, j'ai compris. Oh là 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 là. Si ça, ça cache pas le jeu, franchement. Ça, c'est des jeux... C'est pas fait pour réfléchir, ces jeux-là. Réfléchir à des jeux comme ça, ça s'accorde super mal, quoi. À toutes les stations, les impériaux nous abordent sur tous les ponts. Verrouillage de toutes les zones critiques. C'est comme... ouais, ce système, c'est un peu comme un Zelda. Un Zelda avec jeu de rôle. Un Zelda entre guillemets RPG, ça le fait pas, vous voyez. Ça le fait super pour des Final Fantasy. Mais jeu de rôle pour un Zelda, ça le fait pas. Bah là, c'est pareil. Réfléchir dans des jeux bourrins comme ça, ça le fait pas. C'est des trucs qui s'accordent très très mal. Je veux dire, réfléchir pour avancer, je veux bien. Mais faut pas non plus que ça te dégoûte du jeu tellement, ça, tellement c'est compliqué à comprendre. Amélioration du pouvoir disponible. Depuis un bon moment, c'est toujours... C'est... Allez, moi, je gère. Avec lui. Opérationnel, nous allons tous finir en débris spatiaux. Alors rends-toi sur place et vois ce que tu peux faire. Et je me moque de savoir s'il faut le manœuvrer à la main. Ah d'accord, maintenir eux. Oh putain. Bon, là on est d'accord, il est plus censé y avoir d'ennemis, non, quelque part. Parce que j'ai l'impression que ça fait 100 000 fois que je retourne dans les mêmes couloirs. Par contre, ça m'a tué. L'Empire va vous aborder depuis tout à l'heure, c'est abordé, mais bon. Ah ouais, c'est bon, il n'y a plus d'ennemis. Ah non, 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 ils sont là, les amis, ils vont venir là. What the fuck? Ah, je coupe le micro. Contaillant pièce tout le vaisseau. Ordonnez le repli. Non! Nous n'aurons pas d'autre occasion de détruire cette cible. Vous devez poursuivre votre attaque. Leur bouclier planétaire nous empêche de déclencher un assaut terrestre. À ce rythme-là, on ne va pas tenir très longtemps. Et le vaisseau est en danger. Nous avons déjà perdu les ponts 8 à 12. Rejoignez le Rock Shadow. Je suis sûr que ces boucliers ne résisteront pas au tir direct d'un croiseur. Quittez le vaisseau! Quittez le vaisseau! Tu es vraiment sûr de toi? C'est la seule idée qui me vient. Préparez-vous à faire le ménage après moi.
Donc oui, ce jeu, on est déjà à sa fin bientôt, dans pas longtemps. Parce que comme vous voyez, à chaque fois, je cut entre 15 et 20 minutes les épisodes. C'est pour vous donner l'impression que c'est gros. La voie était libre, Oh la planète serait putain. facilement accessible. Fais quelque chose. Oh merde, qu'est-ce qu'il faut faire là encore? Ah putain, d'accord. D'accord. Ah. Allez! Ah putain. Le Télécrance ne répond plus. Abandonnez le vaisseau. C'est pas moi qui suis nul en QTE. J'ai fait la prison en solo dans Metal Gear Solid Peace Walker. Le QTE là de merde. Alors ça, croyez-moi que ça va morfler. Espace. Allez. Ah, on entre dans l'atmosphère. Oh là là, on y arrive. On voit Camino au loin. Allez, allez. Oh putain. Juste comme ça là, je peux me contrôler au vol. Oh. Oh là 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 là, c'est classe, c'est badass, c'est badass. Ça a explosé en plein dans le... Oh. D'accord. J'espère que ça en vaut la peine. Nous avons placé tous nos espoirs dans cet assaut. Elle en vaut la peine, général. Il ne s'agit pas de toi et de Juno. Nous sommes en guerre. C'est votre guerre, général. Je suis ici pour une seule raison. Hop là. Alors, par contre, je crois que ça fait un bon moment que je rec, parce qu'étant donné que je rec tout à la suite. Alors, attendez. Ouais, ça fait un bon moment que je rec tout seul, donc écoutez, on va se laisser là pour l'instant. J'espère que les épisodes qui ont suivi vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour devenir un vrai Seigneur Sith. Merci beaucoup, à la prochaine, ciao ciao.